titre de cette vidéo l'indique, nous allons aujourd'hui parler de la trilogie La Sélection par Kerakas. La trilogie La Sélection, c'est donc une sorte de dystopie mélangée à une bonne grosse dose de romance. La première fois qu'on me l'a présentée, je me suis dit que c'était une dystopie qui rencontre The Bachelor. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette trilogie, je vais vous faire un résumé très rapide, même si franchement je doute que vous n'en ayez jamais entendu parler, ou en tout cas vu les fameuses couvertures qui plaisent ou ne plaisent pas si vous aimez les couvertures un peu kitsch. Moi je les aime quand même si c'est vrai qu'elles sont extrêmement kitsch. Pour ce qui est du concept de la sélection, vous retrouvez pour l'univers dystopique dans une société qui a évidemment, comme dans toutes les sociétés dystopiques, été réinventée parce qu'il y a eu une espèce d'énorme guerre mondiale hein, sur tout le globe. Les États-Unis ont disparu parce qu'ils se battaient contre la Chine, qui est devenue une très grosse puissance mondiale et l'un des concurrents principaux en fait des États-Unis. Les États-Unis ont donc disparu et ont laissé place à une espèce de république qui s'appelle la République d'Iléa. Pour moi, c'est pas tout à fait une république parce qu'il s'agit quand même d'une monarchie. Vous avez donc un roi, une reine, et des gens qui sont sous leur domination. Pour ce qui est de l'univers dystopique, le monde est divisé en classes, c'est-à-dire que vous avez des classes qui sont numérotées de 1 à 8. La classe numéro 1 étant évidemment la classe la plus riche, puisqu'il s'agit de la famille royale, tout simplement, il ne peut s'agir que d'elle. Et la classe numéro 8 appartient aux personnes eh bien, les plus pauvres, il s'agira souvent presque d'esclaves en fait, faisant partie de cette société-là. L'une des particularités de cette monarchie, c'est que quand l'un des héritiers royaux, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, est prêt et en âge de se marier, un concours est organisé dans tout le royaume, et chaque fille ou chaque garçon, ça dépendra du sexe de l'héritier, peut postuler pour devenir la future princesse ou le futur prince de cette société-là. Les personnes voulant participer à cette fameuse sélection, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, vont donc dans des espèces de bureaux où vous pouvez vous faire prendre en photo, remplir une fiche. Tout ça est envoyé à un espèce de bureau qui va décider quelles sont les personnes qui pourront au final postuler pour cette fameuse sélection. Une sélection, il me semble, de 20 à 40 personnes est faite, et ces fameuses personnes pourront aller loger en fait dans le palais royal pour vivre avec eh bien, la famille royale. À terme, une seule de ces personnes ne sera choisie pour devenir la future princesse ou le futur prince. Il s'agit d'un événement qui est très 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 populaire puisque toute cette sélection est diffusée dans le pays, les télévisions en parlent, les magazines en parlent, tout le monde en fait est fan de cet événement-là et tout le monde le suit avec assiduité. Quand nous on commence cette dystopie, vous vous doutez bien que c'est parce qu'un fameux héritier royal va devoir trouver sa future princesse. Vous vous doutez bien que si cette trilogie existe, c'est parce que nous allons suivre le point de vue d'une future candidate qui sera America Singer, qui est notre personnage principal. America, elle fait partie de la classe numéro 5, qui il me semble est dédiée à la partie des arts, parce que chaque classe a un petit peu sa spécialité, son corps de métier. America, elle a pas forcément envie de faire partie de la sélection, parce qu'elle est déjà amoureuse de quelqu'un. Maintenant, dans cet univers-là, vous n'avez pas le droit, par exemple, de coucher avec quelqu'un si vous n'êtes pas marié, c'est considéré comme illégal, et vous pouvez être arrêté, voire tué. Cette personne fait partie d'une classe inférieure à la sienne, donc elle se doute bien que sa famille sera pas forcément pour, parce que si vous épousez quelqu'un d'une classe inférieure à la vôtre, vous régressez. Si vous épousez quelqu'un de la classe 7 et que vous êtes de la classe numéro 6, vous allez devenir classe numéro 7. C'est donc pas forcément chouette si vous voulez accéder à des meilleurs postes, un meilleur salaire, bref, un meilleur niveau de vie. Voilà ce qu'il en est pour le résumé. Alors à qui s'adresse cette trilogie ? Pour moi, ça s'adresse principalement aux gros fans de romance. Alors si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, vous allez vous dire mais pourquoi elle nous présente cette trilogie si elle aime pas les romances ? Alors oui, je suis pas une très grosse fan de romance, souvent je trouve ça très prévisible et ça m'attire moyen, mais pour le coup, j'ai bien apprécié cette trilogie, même si je dois avouer que certains des éléments de cette romance sont très très prévisibles et on les voit arriver de très très loin. En tout cas, ça a été mon cas. Et pourtant, comme vous le savez, je suis pas une très grosse fan de romance, j'en lis pas des masses, donc je connais pas tous les schémas associés aux romances, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez prévisible. Maintenant, je pense que si vous aimez vraiment les romances, vous allez être comblé parce que dans cette trilogie il y en a dans tous les sens. Le tome 1, le tome 2, le tome 3, vous avez des enjeux romantiques un petit peu partout, vous avez des conflits, vous avez des hauts, des bas. Bref, je pense qu'il y a à boire et à manger niveau romance dans cette trilogie. Maintenant, si vous êtes expert dans le domaine, ce sera pas forcément les livres les plus surprenants. Je vous aurais prévenu. Alors, comment prendre cette trilogie ? Pour moi, je pense qu'il faut la prendre avec énormément de recul. Dans le sens où j'ai trouvé que c'était plus une trilogie mettant en avant une romance qu'une dystopie. L'univers dystopique est bien là. Je pense qu'il sert à contextualiser la romance, mais il n'est pas l'objet principal de l'auteur. En tout cas, je pense que c'est pas la dystopie habituelle que vous avez l'habitude de voir, celle qui dénonce quelque chose. Pour le coup, j'ai pas trouvé que ça dénonçait grand-chose, cette trilogie-là. Là où je dis qu'elle est à prendre avec des pincettes, c'est que pour moi, elle délivre pas forcément le meilleur message. Souvent, une dystopie, vous le savez, ça va être de dénoncer un paradigme, de mettre en avant des contradictions pour éventuellement mettre en avant le bon message. Ici, on a vraiment une romance qui est vraiment mise au premier niveau. La dystopie est juste là, je pense, pour installer la romance
pas beaucoup plus. Du coup, il y a des choses qui m'ont un petit peu choquée dans ce récit-là, et notamment la place des femmes. Vous allez vous dire que j'en fais trop, mais c'est un sujet qui me touche. Mais ici, là où c'est un petit peu dérangeant, c'est que, comme je vous le disais, l'évolution de la femme, ou de l'homme d'ailleurs, n'est possible que via le mariage, et vous avez plusieurs femmes qui se battent pour épouser un prince. Du coup, c'est vraiment les femmes qui sont attirées par un titre, par une classe sociale, par une possibilité d'évolution, pas forcément pour la personne elle-même. Du coup, je dois dire que ça nourrit un petit peu tous les clichés sexistes qui vont dans le côté la femme arriviste, la femme qui ne court qu'après le mari riche et qui pourra la prendre en charge toute sa vie, même s'il y a des enjeux plus complexes que ça et que notre héroïne évidemment ne nourrit pas ces ambitions là. Vous avez quand même cet élément là qui est mis en avant et qui est pas forcément toujours remis en question d'ailleurs, qui m'a un petit peu gênée parce qu'il est très fort et très 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 mis en avant. Maintenant évidemment c'est plus une romance qu'une dénonciation de quoi que ce soit, donc c'est pas forcément une apologie de la femme avide d'argent et de statut social, mais je trouve que c'est pas assez dénoncé finalement. On sait bien que notre héroïne n'est pas pour, mais j'ai trouvé aussi qu'elle s'adaptait plutôt très bien à ce système-là. Évidemment, elle a grandi dedans, donc je pense que c'est pas forcément évident d'aller contre. Mais elle s'y adapte plutôt pas mal, et du coup c'est un petit peu dommage de pas dénoncer ça un peu plus. Je pense qu'il faut vraiment lire cette trilogie comme une romance et comme un divertissement, et pas comme quelque chose qui va peut-être vous inviter à la réflexion. Même si je ne nie pas qu'il y en a, hein, parce qu'il y a quand même des sujets qui poussent à réfléchir et qui poussent à se dire ça c'est pas normal, ça c'est pas bien, et ainsi de suite. Il y en a, mais ils sont quand même, comme je le disais, au second plan. C'est vraiment la romance qui est l'intérêt principal de cette trilogie. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre cette trilogie avec beaucoup de recul, la voir vraiment comme un divertissement, et moins comme une trilogie qui invite vraiment à la réflexion. Alors, pourquoi ça plaît la sélection ? Ça plaît parce que le style de l'auteur est quand même très dynamique et très fluide. Honnêtement, à chaque fois que j'ai ouvert l'un de ses livres, je l'ai terminé très très vite. Je pense qu'il ne me durait pas plus de 2 ou 3 jours. Mais quoi qu'il arrive, il s'agit d'un style vraiment addictif. Honnêtement, je considérais vraiment cette trilogie comme mon petit plaisir coupable parce que je suis pas une grosse fan de romance. Et pourtant, j'ai adoré. C'était très fluide, très 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 addictif. Je me suis fait à ces récits très très vite. Honnêtement, j'avais toujours très très hâte de les lire et je faisais exprès de mettre d'autres livres entre les différents livres de la trilogie pour ne pas me forcer à tous les lire d'un coup. Je pense que ce qui plaît aussi, c'est que ça appelle quand même vachement l'imaginaire collectif. Vous avez quand même un concept qui est connu alors qu'il s'agit d'histoires très anciennes qu'on a connues toutes petites pour les filles et tout petit pour les garçons. Ça m'a quand même rappelé Cendrillon par exemple, parce que notre prince dans Cendrillon il recherche quand même sa future femme, sa future princesse. Bon, dans Cendrillon elle a oublié sa pantoufle de verre, là on n'a pas de prince qui recherche une jeune femme avec le pied à la taille parfaite, mais vous avez quand même ce côté là avec ces femmes qui se battent pour un homme qui aimerait devenir la future princesse. C'est quand même un petit peu l'un des enjeux de Cendrillon. En plus, si on rappelle cette fameuse classe sociale qui n'est pas forcément la meilleure pour Cendrillon, hein, qui va accéder à un statut qui est bien supérieur au sien. Là c'est un petit peu le cas parce que notre héroïne fait pas partie des plus riches, donc c'est pareil, une espèce d'ascension sociale. Ça rappelle aussi pas mal cette fameuse émission de télé-réalité qui est le Bachelor, parce que c'est pareil, vous avez un homme qui se présente comme quelqu'un de riche, quelqu'un d'aisé, quelqu'un de très très bien, qui recherche sa future femme, alors elle sera pas princesse, mais c'est un petit peu pareil, vous avez plusieurs femmes qui se battent, qui se comparent les unes aux autres pour épouser quelqu'un, ou en tout cas dans le Bachelor je pense simplement se mettre en couple. Je pense que ça appelle vachement à tout ça, donc qu'on aime ou pas ce concept, hein, je pense qu'il faut l'aimer aussi pour apprécier cette fameuse trilogie, hein, je pense que c'est indispensable. Mais si vous appréciez ces deux points de vue là, je pense que cette trilogie ne peut que vous appeler finalement. Donc je pense que ce sont deux des éléments pour lesquels ça plaît beaucoup et ça marche beaucoup et ça s'est beaucoup vendu. Maintenant, cette trilogie comporte quand même certains défauts et pas forcément des petits. L'une des choses les plus agaçantes, c'est malheureusement son héroïne. Alors elle m'a pas forcément trop agacée dans le premier livre, je la trouvais plutôt assez supportable. Malheureusement dans le deuxième livre, elle était quand même insupportable. Je pense que c'est l'une des héroïnes la plus détestée que j'ai pu voir dans les vidéos anglophones ou françaises. Je pense que personne ne l'a appréciée dans ce fameux deuxième tome. Elle était très 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 énervante, elle était encore beaucoup dans le dernier livre. Mais quand on a une héroïne qui est quand même unanimement pas forcément détestée, mais pas forcément appréciée pour ses réactions et ses états d'âme, c'est pas très agréable à la lecture et ça peut même dissuader de continuer l'histoire. Donc je préfère vous prévenir que notre héroïne, elle a quand même de sacrés défauts. Maintenant, je trouve que ces défauts sont aussi très 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 inhérents aux romances. Hein. Honnêtement, si vous aimez les romances, peut-être que vous êtes habitué à ce genre de changement d'humeur, ce genre de comportement. Si vous n'êtes pas très fan de romances comme c'est mon cas, ça peut vraiment vous gêner parce que elle était saoulante.
Personnellement, j'avais envie de lui coller des baffes. L'autre élément un petit peu gênant, c'est ce message un petit peu flou qui est délivré par la trilogie. Comme je vous le disais, c'est quand même une romance au premier plan et une dystopie plutôt à l'arrière-plan. Du coup, le message qui est dénoncé est très flou et je suis même pas sûre que l'auteur ait spécialement décidé de dénoncer quoi que ce soit. Vous le savez, vous avez donc un univers dystopique qui est quand même assez oppressif puisque c'est une monarchie, vous avez des classes sociales et des gens qui vivent beaucoup mieux que d'autres. Et le système cherche pas forcément à mettre tout le monde sur un pied d'égalité, donc c'est plutôt pas très juste, et j'ai trouvé que même si vous avez quelques éléments dont je vais pas forcément vous parler, qui sont dévoilés au fur et à mesure des livres, qui peuvent aller contre ça, ils sont pas assez mis en avant, ils sont pas assez dénoncés, et malheureusement je trouve que le message est pas assez clair, et que malheureusement nos personnages s'y font plutôt assez bien. Ils savent que le système n'est pas le plus juste, ils ne sont pas forcément pour, mais ils s'y adaptent quand même plutôt très bien, et ils ne dénoncent pas toujours. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu gênant, parce que c'est dommage quand on met en place un univers dystopique de ne pas mettre ça plus en avant que la romance. L'autre élément, et vous vous en doutez, qui m'a un petit peu gênée, c'est ce côté cause féminine où la place de la femme n'est pas la plus juste puisque ses possibilités d'évolution sont par le mariage. Elle n'a pas forcément le droit de disposer de son corps comme elle l'entend, donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. Et là encore, du point de vue de l'héroïne, cette place n'est pas forcément remise en question toujours. Notre héroïne s'y fait quand même pas mal en fait, elle s'adapte au système, elle va forcément essayer de le contourner, c'est toujours un petit peu comme ça dans les dystopies. Maintenant, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, je pense que c'est pas le combat du livre, c'est pas forcément de dénoncer ni ce système oppressif, ni cette condition de la femme qui est pas très juste. J'ai plus eu la sensation, après je me trompe peut-être, mais j'ai plus eu l'impression que c'était de mettre en avant une romance rocambolesque, grandiose, au fur et à mesure de ces trois livres, plus que de délivrer un vrai message dystopique. Vous avez cette fameuse romance installée dans un univers dystopique, et je pense pas plus. C'est pour moi les petits écueils de cette trilogie, même si comme je vous le disais, je l'ai trouvée très addictive, très facile à lire. J'ai dévoré les trois livres aussi vite que je le pouvais, hein. Évidemment je me suis mis de l'espace entre les différents livres. Je l'ai aussi lu il y a un petit moment maintenant, donc je me souviens sans doute pas de tout. Donc je suis désolée si je fais quelques erreurs dans cette vidéo, en tout cas n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, donc je les mettrai en avant dans ma vidéo si j'ai fait quelques plantades. En tout cas je recommande quand même cette trilogie pour un bon divertissement, là encore faut quand même aimer un petit peu les romances. Mais vous pouvez très bien être surpris comme moi, qui n'aime pas spécialement les romances, mais qui est bien accroché à cette trilogie là. À titre d'information, après cette fameuse trilogie, deux tomes ont été prévus, dont un est déjà sorti en France et aux États-Unis évidemment. Le deuxième est prévu, je crois, pour les prochains mois aux États-Unis. Je n'ai personnellement pas encore lu la première suite. De ce que j'ai entendu, notre héroïne est assez énervante, donc c'est peut-être l'une des particularités de Caracas, créer des héroïnes qui sont saoulantes. En tout cas, j'espère que ce focus vous aura permis de découvrir cette trilogie si vous ne la connaissiez pas, qu'elle vous aura peut-être donné envie de la découvrir, ça je l'espère. En tout cas, si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je serais très contente d'échanger avec vous sur ce sujet. Je vous remercie encore une fois d'être toujours plus sur cette chaîne. Vraiment, je vous remercie d'être là parce que BookTube, c'est quand même une communauté qui est super cool. C'est vraiment génial de pouvoir partager et échanger sur le sujet, donc merci encore. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut !